Reprenons sur les présentations pour les nouveaux ne me connaissant pas. Je suis le vice-amiral Ko. Vous, pour la plupart, venez de l'avant-poste de Locktown. Avant-poste où j'ai gravi mes premiers échelons. Je m'occuperai donc avec rigueur de vous inculquer cette dernière. En étant vice-amiral, le titre de sentinelle m'est aussi donné. Pour ceux ne me connaissant pas, je suis le prochain amiral en chef de cette marine, de ce gouvernement mondial, futur leader et dirigeant de ce monde. La justice sera entre mes mains et sa flamme sera allumée et ravivée par ma personne. J'eus été formé par l'amiral Yaguchi Torajiro. Et si une information de ses cellules. Je vais lever la main s'il faut. Je me disais bien. Adjutant-chef, montez sur la première phase de l'estrade, exécution. Sans courir! Bien. Caporal chef, montez sur l'estrade. À l'opposé, bien sûr, de l'adjudant, cela semble logique. Putain de merde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi nous a-t-il ramené ici? Pourquoi il a mis l'adjudant et le caporal chef? Alors que le caporal chef est un petit salopard. Un petit salopard qui maltraite les marines. Sans raison. Pourquoi? Je ne sais pas. Certains ne sont pas au repos par ailleurs. Vous avez du mal à croiser vos bras? Parfait. Avant de commencer cette cérémonie, adjudant. Ah, c'est une cérémonie! Je vous laisserai jouer l'hymne. Oh putain de merde! Exécution. Oh, c'est... Messieurs, saluez l'emblème de la marine. Vas-y, regarde. Allez, vas-y, mets la musique. Vas-y. Alors, ça, tu présentes la marine ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Oh non, on entend pas. Allez. Grave, jeune homme. Je la mettrai sur le ton de l'imprudence. Ne reproduisez plus cette erreur. Mettez-le plus sur le ton de la compétence. Il est incompétent, ce caporal chef. Écoutez, clair. Fératif, mon vice-amiral. Incompétent, cet homme. Incompétent. Virez-le. Me semble-t-il qu'il y a une autre annonce à faire passer ce soir. Ouais. Ah. Yasuhiko, monte sur l'estrade et présente-toi. Exécution.
Resserrez les rangs, Marine. Vers la droite, messieurs. Salutations à tous. Je me nomme Caporal Yasuhiko. Enchanté. C'est tout, c'est ça votre discours. Je viens de Sabaody. Je serai votre nouveau second. Concernant la section militaire, je n'accepterai aucune erreur. Et je serai dur avec vous. Tâchez de respecter et d'honorer ce que nous sommes. Retournez en rang. Bon, ça va, c'est juste ça. Si t'as appelé pour voyez ça. Vous, Marine, venez d'avoir l'exemple d'un discours mené sans aucun talent et sans aucune préparation. Préparez dorénavant vos discours en cas de montée de rang. Préparez vos discours en cas d'un accomplissement. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai accompli quelque chose. Un marine doit toujours être prêt. Que ce soit pour la diplomatie ou bien pour le conflit. Marine. La présentation de ce nouveau caporal. Ouais. Et je l'espère. Un motif de haine pour vous tous. Cet homme a été caporal à Sabaody, là où la marine est bien plus nombreuse. Il faut donc pour monter en rang là-bas beaucoup moins de talent que ce que vous exige Lockdown. Ok, ok, donc c'est pour ça qu'il est caporal, bah super. Ah ouais. Les méthodes de formation et de direction de Sabaody sont plus perfectionnées que celles de Lockdown. Et je décide donc d'ouvertement favoriser cette personne. Si quelqu'un ici est contre cette idée, qu'il me prouve sa valeur et qu'il me prouve, à contrario, l'inutilité de ce marine. Est-ce que j'ai été compris ? Affirmatif. Affirmatif, amiral. On va lui mettre un coup dans la gueule, tu vas voir. Il va finir au fond d'un lac. Contre-amiral, avez-vous quelque chose à dire ? Il va finir au fond d'un lac. J'en ai rien à foutre. Adjudant, avez-vous quelque chose à dire ? Bon, vice-amiral. C'est vraiment ridicule. Caporal chef. Négatif, vice-amiral. Vraiment ridicule. Bien. Tous les caporaux formaient une colonne à droite, exécution. Resserrez la ligne. J'ai bien sûr dit tous les caporaux, ça tombe sous le sens. Les autres formaient une ligne aussi, une colonne du moins. Ok. Tout ça pour ça, ma putain. Oh là 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 là. Je suis foutu. Fératif ? Ouais ? Attendez. Il est perdu là. Je crois qu'un marine vient de se casser la colonne. Pour l'instant j'attends mais... Fératif. Gold 142.
scientifique et gérant du sanctuaire animalier de la marine. Et c'est qui ici le plus haut gradé? C'est le caporal-chef. Je suis là, caporal-chef, ici présent. Les souvenirs des toits. Fératif. Vous étiez en patrouille. Enfin, patrouille. Fératif, c'est le Paul Tempo. Je me souviens des toits. Et eux là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font entraîner. Entraîné par l'adjudant. Oui, est-ce que j'ai compris? Il y a une équipe avec l'adjudant et une équipe avec le caporal-chef. Quelle était la mission que le vice-amiral? On n'a pas eu de mission, juste qu'on se fasse occuper. Oui. Ici, vous êtes à Marineford. Oui. Marineford. Le grand et le plus grand QG de la marine. Je veux dire, ici, marine qui fait n'importe quoi égale marine qui va en prison. Est-ce que vous avez compris? Affirmatif. On va pas s'entraîner ici. Chef, oui, chef. Ici, il n'y a que les plus grands marines qui peuvent ici.